Salut tout le monde, nous cap suivre nous et tout étudiant, nouveau étudiant ou bien monde cap reprendre quoi pour comprendre ou bien pour combler lacune que vous avez déjà. Donc nous saluons. Et je dis qui ça nous parle et la petite récapitulation sur ça nous avons déjà définition. Nous avons mouvement métronomique. Mouvement métronomique. Nous devons définition de la musique. La musique est la science de l'arrangement des sons combiné avec soin de manière agréable et à l'oreille, comme on dit, et intéressant pour l'esprit, pour donner du rythme, de l'harmonie, de la mélodie et de l'harmonie. Ok, c'est la science des sons combinée avec soin. Ok, la science des sons combinée avec soin d'une manière agréable à l'oreille et intéressant pour l'esprit, comme on dit, tout dans la définition tout. Et pour donner du rythme, de la mélodie et de l'harmonie. Nous avons diverses formes de musique qui gagnent. Trois formes de musique qui gagnent. Ok? Musique vocale, musique instrumentale et musique mixte. Après ça, nous avons qui sont encore tout, les formes et les figures du temps. Les formes et les figures de notes. Formes et figures. De notes. Nous devons tout. Et combien qui gagne, nous devons combien qui gagne, nous devons valeur des notes. Valeur des notes. Valeur des notes. Ok, durée. Ok. Et nous devons tout, et nous devons play, nous devons porter, nous devons et play, dans des notes, nous devons et porter, nous devons dans des notes, non. Les noms, les notes, ok. Voilà les notes, nom des notes. Nous trouvons nom des notes, nom des notes. Ok. Nous trouvons ligne supplémentaire. Ligne supplémentaire. Ok, donc c'est ensemble, ça y est, nous sommes tous là déjà, ok, et donc nous avons deux voix qui préparent là déjà pour tout ça, ok, pour vous capable de répondre, pour capable de faire le travail de mémoire là, donc nous avons une évaluation qui prépare déjà. Sur tout ça, nous avons là déjà. Ok? Donc, si vous voulez évaluer, vous pouvez enregistrer comme étudiant actif. Donc, nous avons une évaluation disponible pour tout ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Nous avons une évaluation disponible pour ça. Et puis, après ça, vous pouvez enregistrer comme étudiant actif. Et puis, n'a pas évaluation ou même pour capable évaluer tête par rapport avec ça que nous tout ça vous avez fait là déjà, ok, pour capable évaluer tête, ok, nous avons des devoirs disponibles pour tout ça, donc
attendons, ou appelez nous sur 3441-4520, ou contactez nous par WhatsApp 3441-4520, et puis nous avons les documents pour évaluation pour vous, avec devoir pour vous. Donc, si vous avez un livre, nous avons des livres pour vous. Ok, songez que vous êtes capable de supporter nous comme étudiants actifs, que nous-mêmes n'avons pas accompagné durant tout le processus pour vous. Et pour avoir tout, il y a un simple supporter, donc ça veut dire que vous êtes capable de supporter quoi, vous êtes capable d'encourager nous. Donc, si vous avez une difficulté par rapport avec le timing de diffusion, donc, c'est toujours un problème à faire de réseau. C'est un problème de réseau qui est un ben, problème ça. Il fait que nous pas à jour, nous pas à temps. Non, timing et travail là, il n'est pas petit tout, donc pour faire mon jour et puis pour diffuser, donc il n'est pas facile. Ok? Donc, vous même, vous ne pouvez pas supporter nous. Vous ne pouvez pas supporter nous. Et puis, likez tout. Parce que ça n'a pas eu, c'est important, c'est l'essentiel. Ok? Avec ça, là, il y a seulement. Ou quand c'est un, ou quand c'est un, ou quand jouer, ou quand interpréter, ça c'est une affaire là. Ou quand c'est un, ou quand jouer, ou quand interpréter, ok? Ok. Nous parlons, tourner sur et porter entre deux sons et deux fa, différentes formes de partition qu'on va besoin. Ok, nous voilà là pour différentes formes de partition qu'on est capable de faire. Surtout pour piano ou bien pour orgue. Le piano avec ou bien si on a un keyboard, ou un keyboard, quand on est qui souhaite telle partition, qui instrument de dire que vous êtes capable de jouer. Ok? Si j'ai une partition pour tout instrument honnête, hein? On va faire trois groupes, on peut pas faire différenciation. On va séparer. Ok. Si vous avez une partition comme ça, ok, vous avez une partition comme ça, partition ça, c'est une partition pour piano. C'est une partition pour piano qui est capable d'exécuter avec un piano ou bien un keyboard qui est capable d'exécuter soit sur un piano ou bien sur un keyboard. Mais clé de sol, c'est mes doigts. Clé de sol, c'est mes doigts. Et clé de fa, c'est mes gauches. Mes doigts. Là, mes gauches. Ok? N'a pas les dents. Ça, c'est pour piano. Piano. Keyboard. Ou keyboard. Il est capable de tout. Org, mais un org qui n'a pas de pédale. Un org sans pédale. Ok? Un org sans un groupe de pédale de son. Parce qu'il y a un org qui n'a pas de pédale.
qui seulement gagne volume en bas, ok, mais qui pas gagne pédale notre grave, ok, pour capable d'exécuter tout ça pour auto. Il est capable d'exécuter tout pour auto. Ou mais ça pourrait faire moi si c'est pour oublier, changer que son corps lui-même c'est du son long. Changer que son corps c'est du son qui long. Donc ça pourrait faire qu'à identifier si c'est pour oublier, plus facile. Une forme jeune, la partition, ma jeune plus blanche. Blanche avec ronde. Ok. Même ma jeune. Facile, double couche à triple couche, double couche avec triple couche, on va jouer double couche, triple couche ou bien couche. Ok, on va jouer un petit bail tout petit, même on va jouer de manière répétitive. Ok, parce que son emploi c'est un son qui est long. Ok, et ça fait musique audio, on veut toujours soit lent, qui joue avec audio, parce que pour son longueur, son capable de passer. Ok, et donc capable de soit long, ou bien son long, ou bien ou bien son et pas facile, ni qu'à mélancolique, musique à mélancolique, ou bien truc à joie et tout. Il est capable de dire différents styles dans l'orgue là, ok, mais son yo, il y a toujours long, ma bien blanche avec moi, ok. Mais la difficile pour me joindre avec croche ou bien double croche pour son haut. Mais pour piano, keyboard, ma joindre noir, ma joindre croche, ma joindre double croche, ma joindre triple croche, ma joindre, ok. Ok, pour piano, avec keyboard, ma joindre ça, ma joindre la portée. Ma joindre noir, ma joindre blanche, même ma joindre ronde facile, ma joindre ronde. Ok, soit dans fin ou bien dans fin yon partie ou bien dans commencement yon partie, ok, ou bien la musique là pour reposer, la musique en repos pour faire transition ou bien dans l'autre partie, on va jouer une blanche, on va jouer là, mais au cours de musique là, on va pas jouer une ronde là-dedans, ok, parce que son piano, c'est pas un son qui est long. Son piano n'a pas un son qui est long, même si je mettais l'autre main sous lui, si je me frappais, après 2 secondes, son n'a pas atténué. Même si je mettais même, je ne peux pas entendre le son. Parce que son piano, c'est pas de son qui est long. Et ça fait utiliser plus noir avec croche, ou bien double croche, triple croche. Ok? Rare ou fois ou jeune blanche. Ok? Ok? Mais on va jouer une ronde facile, facile. Parce que son. Pour piano, ce n'est pas de son long. Ok? Et à moins que tu aies un bel sustain, avec pédale. Ok? Pour qu'un bel son petit casse. Ok? Puis long. Mais ce n'est pas de son long. Mais son orgue là, c'est de son long. Et ça fait au plus jeune blanche avec ronde dans la partition avec orgue. Pour qu'on ait un noir tout. Ok? Et il y a une renfort, une gauche. Ok? Parce que son long nom, donc le son long nom, il va loger le coup là, donc vous pas qu'à jouer et feeling son bail là, ou pas pour jouer le fit là, ou pas jouer même genre avec piano. Ok? Donc c'est pas même bagaille. Voilà, donc ça c'est partition pour piano, keyboard qui est capable de jouer avec auto, ok? Mais auto et sans pédale. Auto. Sans pédale. L'aime du pédale là, c'est 7 notes. Pédale de 7 notes. Grave. Sans le pédale de 7 notes grave. Ok. Sans le pédale de 7 notes. Des 7 notes graves. Des 7 notes graves. Ok? Mais là,
Si nous avons une position comme ça, si nous avons une position comme ça, c'est une position comme ça. Ok, même là. Pied de sol, même pied de fa. Même pied de fa là. Donc, ça, c'est une partition pour orgue. Orgue avec sept pédales. Avec les sept pédales des sept notes là. Ok. Pour pédale, c'est une cartouche avec pied. Ok? La pédale, c'est notre gars. Ça est partition à orgue. La partition à orgue. Donc, aussi, on va regarder et regarder col bonbon. Ok? Et il y a avec un gros orgue, un gros chalumeau. Un gros orgue. Donc, ça, c'est un gros de gros chalumeau. C'est dans deux gros chalumeaux sortis. OK? Et donc, il y a l'autre orgue qui part aussi gros. Même genre, avec orgue, choral, mormon. Il y a chanté là, il y a joué là. OK? Aussi gros comme ça. Qui va aussi gros comme ça. Mais, ou qui gagne 7 pédales, ou qui gagne 7 notes, do, ré, mi, fa, sol, la, si. Ok, ou capable de gagner quelques 2 3 notes. Ok, donc 7 notes gravures. Ok, pour jouer avec pied gauche. Ça, c'est main droite. Main droite. Bien, right. Right hand. Main gauche. Main gauche. Mettez mes doigts. Mes doigts. Ça, c'est mes gauches. Mes gauches. Et ça, c'est pied gauche. Ça, c'est pied gauche. Pied gauche et l'autre pied droit là les mêmes c'est les mêmes qui a fait volume pied droit a fait volume pied gauche a fait note grave ok main gauche a fait principal main droite a fait principal donc pour organiser il y a un grand pile travail à faire donc l'on organise à jouer ok et avec pédale donc c'est bon petit travail petit à faire donc il y a un pied droit pied gauche. Pied gauche, pied droit pour volume, pied gauche pour son grave, notre grave, et puis main gauche pour partir. Gauche là, parce que observe toujours, c'est avec étage joué, ok? Et puis, main droite là, à faire pas, ok? Donc, ça c'est partition pour orgue, ça c'est partition pour piano, keyboard. Ou bien pour orgue sans pédale, sans les pédales des 7 notes. Ok? Donc là, si vous avez une partition comme ça, vous pouvez identifier si ça c'est pour orgue, si c'est pour un keyboard, ou bien c'est pour un piano, ou bien c'est pour un orgue qui va gagner et pédale qui sans pédale. Okay. Donc ça, c'est facile pour identifier. Je pense que. On est là, plus ou moins, sur votre partition, on va identifier si ça c'est pour orgue, même s'il n'est pas écrit orgue sous lui. Ok, si c'est pour un keyboard, on peut exécuter sur un keyboard ou sur un piano. Ok, sans
problème. Ok. Nous allons passer dans l'autre chapitre. Ok. Ok. On dit que la clé de sol est utilisée pour un grand nombre d'instruments. Ok. Clé de sol est utilisée pour remplir l'instrument. Tant que piano avec harpe, main droite. Piano et harpe, main droite. Violon, flûte, hautbois, clarinette, cornet, saxophone, cor, trompette, saxophone, etc. Donc tout instrument ça c'est de servir avec eux pour clé de sol. On s'en sert aussi pour écrire également le plus grand nombre des parties vocales. Ok, longtemps était qu'on utilisait pour écrire ténor avec soprano, mais qu'on y a, mais on va utiliser pour écrire avec ténor avec soprano, utiliser pour écrire soprano avec alto. Ok, longtemps était qu'on utilisait pour écrire ténor avec soprano, mais qu'on y a, utiliser pour écrire soprano avec alto. Ténor avec soprano, c'est là la musique classique, la musique baroque. Ok, pour nous, des leçons d'harmonie, mais ça aussi à l'avenir, c'est pas qu'on y a des leçons d'harmonie. On a vu comment on voit arranger. Ok, ça c'est pour le chant, ça c'est pour la musique vocale. Mais là, qui ça nous voit le là? Nous voit le là qu'on y a échelle musicale. Voilà l'échelle musicale. Échelle musicale. Nous voyons qu'on y a là échelle musicale. Les mots échelle, où est son bagage qui sortit de manière graduelle, qui sortit dans un point, dans un bout, pour arriver dans un bout. Ok? Je dis qui ça veut dire échelle musicale. Je dis l'échelle musicale est l'ensemble de tous les sons que peuvent émettre la voix humaine ou les instruments de musique. Quel que soit voix humaine, quel que soit instrument de musique, ils vont côté le son commencer, ils vont côté le fini. Donc c'est côté le commencer à côté le fini, il y aurait l'échelle musicale. Côté son commencer à côté le fini, il y aurait l'échelle musicale. Ok? Les diviser en trois registres ou groupes successifs de sons. Les diviser en trois registres, ok, ou groupes successifs de sons. Il y a l'échelle du grave, l'échelle du médium et l'échelle de l'aigu. L'échelle du grave. Là. L'échelle du grave, qui ça vient la dernière? Il vient la dernière, les sons les plus graves. Les sons les plus graves. Les sons les plus graves. Ok? Pour voir mon capable, c'est voix d'homme grave. Voix d'homme. Grave, viager, voix d'homme grave. Pourquoi même capable d'une voix d'homme grave? Ok? Et là? Là, ça c'est l'échelle du médium. L'échelle du médium.
l'échelle du médium. Il y en a demi, les moins graves, les moins aigus, et les moins graves. Les moins aigus et les moins graves. Regardez la dernière. Les moins aigus. Moins aigus. Moins aigu. Là, le point là. Ok. 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 Les moins graves et les moins aigus. Divisé en deux, on met ça. Divisé en deux, les moins graves et les moins aigus. Ok. Après ça, il y a les moins graves. Les moins graves dans le là, alto, voix de femme. Voix de femme grave. Alto, voix de femme, voix d'homme grave. Avec basse. Voix d'homme grave, c'est basse. Avec pour voix monde, c'est voix de femme grave. Voix de femme grave, c'est alto. Ok. Et les moins aigus, c'est voix. Moins aigus, c'est voix d'homme. Voix d'homme aigu. Ça, c'est ténor. Ok. Voix d'homme aigu, ça, c'est ténor. Ok. Et là, moi je viens là, les sons les plus aigus, l'échelle de l'aigu. Il y a les sons les plus aigus, les sons les plus aigus. Là, je viens de ces voix de femme. Voix de femme. Voix de femme aiguë. Voix de femme aiguë, nous gagnons soprano. Ok. Voix de femme aiguë, c'est soprano. Voix d'homme aiguë, c'est ténor. Voix de femme grave, c'est alto. Voix d'homme grave, c'est basse. Ok. Donc, au besoin qu'on ait ça, ils après. Ou bien toi seulement entendre la voix au monde, Jean l'a chanté, Jean l'a parlé, pour capable situer la voix dans le registre ou bien dans l'échelle musicale. Ok? Dans qui registre ou capable de mettre. Parce que ça qui compte grave, c'est là où le monde est capable de chanter alto ou faire l'alto soprano. Tant que maestro, donc c'est le maestro qui a une compétence assez. Donc il ne doit pas situer la voix maintenant. C'est faut pas situer la voix maintenant. Et si mon ça c'est alto le café, si c'est soprano le café, si c'est ténor le café, si c'est basse le café, dans un choral, ok? Ou bien dans un groupe qui chante. Parce que quelqu'un qui est capable de faire et pure soprano, il est capable de faire pure soprano, quelqu'un qui est capable de faire bon alto à tout, ok? Ok? Quelqu'un qui est capable de faire bon ténor à tout, ok? Quelqu'un qui est capable de faire bon basse à tout. Et ça pour rejoindre des mezzo-soprano, pour rejoindre contralto. Ouais, ça c'est l'autre partie vocale qui gagne toujours. Ok? Parce que chaque voix,
Il y a du monde, chaque voix monde, il y a un son même yo capable de faire, il y a un registre même yo capable de situer. Yo. Ok? Mon capable faire, qui capable faire pure soprano, il même n'est pas capable de faire soprano moyen. Il n'est pas capable de faire soprano moyen parce qu'il chante haut. Ok? Il ne peut pas descendre trop grave. Il ne peut pas descendre bas. Mais mon qui fait soprano moyen, il est capable de faire. Et un petit cas soprano, un petit cas spiro, et il est capable de faire un petit cas salto. Ok? Donc, et mon ça capable de faire un soprano moyen. Ok? Et ça fait, il faut apprendre à situer chaque monde dans la voix. Les menaces alto le café, donc on doit attendre qu'on fasse qu'à parler. Mais je vois voile grave là, voile anti-jean presse, voile pas filé, voile pas filé. Donc, il dit son monde qui va chanter dans le médium. Ok? Son monde voile situé à l'échelle du médium. Mais c'est un monde qui a une voix de femme grave. Donc, pour toute voix de femme grave, c'est alto le café. Donc, il n'y a pas qu'à faire bombassa. Bombassa, c'est garçon café. Ok? Bon, bah ça, c'est garçon carré. Donc, c'est quelqu'un, fille ou carré qui descend. Et même voix fille descend, il dit pas qu'arriver dans bon basse que garçon fer. Ok, bon basse garçon fer, fille pas qu'à faire. Et ça fait bon soprano, fille à faire, garçon pas qu'à faire. Ok? Donc, au cas où je viens de ça, que rare fois, c'est du cas accidentel. Là, ouais, un garçon chante aigu, même genre avec soprano. Avec une fille qui chantait soprano. Ok, donc c'est des cas particuliers. Les cas ça arrive, donc on doit y rendre surprenant un pile monde. Parce que ça y est accidentel, c'est pas des bagailles qui arrivent facile, mais des bagailles qui arrivent souvent. Ok, donc ça c'est chaîne musicale là ça. On est là dans les leçons les plus graves. Les chaînes du grave, on est là dans les leçons les plus graves. Les chaînes du grave, on est là dans les leçons les plus graves. L'échelle du médium dans donner les sons les moins aigus et les moins graves. Donc on sent moins aigu, c'est voix d'homme aigu pour les parties vocales. Ok, l'échelle et les moins graves, c'est toujours pour les parties vocales, c'est voix de femme grave. Il y a dans tout l'échelle de l'aigu, les sons les plus aigus. Ok. Pour instrumentaux, c'est pareil. Ok? Et ça fait au power game. Pour batterie, pour basse, ils jouent, utilisé clé de fa pour écrire ça. Ils ont les contours. Ils ont utilisé clé de fa. Et l'autre instrument toujours. Qui utilisait clé de fa en tant que violoncelle. Ok? Qui utilisait clé de fa. Parce que notre c'est des notes graves que vous faites. Ok? Et après ça, on voit un pyro, un paquet d'autres instruments. Un paquet d'autres instruments qui est utilisé, clé de sol, genre nous sommes cités là pour là, tout à l'heure. Ok? Donc, ça, c'est chaîne musicale là. Et chaîne musicale là, pour quel que soit voix monde ou bien quel que soit instrument, ils vont côté le commencer, ils vont côté le finir. Donc là, pas de son. Nous, sound. Si ma descend. Là, pas de son. Si ma descend. Là, pas de son. Même si je monte, puis haut toujours. Là, pas de son. Ok? Là, pas de son. Là, pas de son. Donc, côté voix, je commence à côté le finir. Donc, ça, c'est échelle musicale. Pam. Ok? C'est échelle, yole, ça, échelle musicale. Ok? Côté son, commencer à côté le finir. Donc, ni pour voix, monde, ni pour instrument. Donc, chaque instrument, il y a un côté son, commencer. Il y a un côté son, déterminé. Donc, côté son, commencer, côté déterminé, yole, ça, l'échelle musicale. Ça, il y a ça, l'échelle musicale. Ok, donc l'échelle musicale là, donc les gens qui ont donné les sons les moins graves et les moins aigus. Ok, ok, donc pour chaque instrument, pour chaque voix, monde, ils vont côté voix commencer
Yon kote son komanse, yon kote l fini. Donk, kote l komanse, a kote l fini, li fè pati de echen musikal la. Ok? Pase gen son ki pli grav, pou instrument ki pli grav, gen son ki pli aigu, pou instrument ki pli aigu. Ou bien pou vwa moun ki pli aigu. Donk, denye vwa moun ki pli aigu ya, kote rive ya, avek denye vwa moun ki pli grav la, kote rive ya, yon rele sa echen musikal. Ok? Pour les parties vocales. Dernier instrument qui est plus aigu à côté le carré A. Avec dernier instrument qui est plus grave là, côté le carré A, côté le carré commencé A. Il y a une échelle musicale pour les instruments de musique. Ok? Donc, nous sommes là, l'échelle musicale. Ok, de dire que l'échelle musicale est l'ensemble de tous les sons que peuvent émettre la voix humaine ou les instruments de musique. Nous avons un petit retour sur la valeur des notes. La valeur des notes. Ok, yon moun, yon blanche, yon noir, yon kouche, yon moun, en trois parties, c'est blanche, yon moun en trois parties, c'est yon blanche, du noir, ok? Trois parties, c'est pas égal, inégal. Ok? Yon blanche en deux, en trois parties, c'est pas égal, c'est yon noir, deux couches. Allez, yon blanche c'était 4, blanche c'est 2, 1, 1, ça fait 4. Blanche c'est 2, ça c'est 1, demi. De l'île, en fait de l'île. Ok? Non, là c'est 1, la demi. Demi. Un quart. Demi. Demi. Un quart. Un quart. Ok? Ça fait 1. Et ça, ça c'est demi. Après ça. Après. Un quart, un huitième. Un huitième, un quart plus un quart, un demi. Ok? On va aller là. Yon blanche. Et 4 parties, si vous mettez, si vous divisez en 4, en 2, okay, en 8, donc ça va être facile pour trouver. En 4, c'est 4 noirs. Il est capable de tout, 4 parties qui n'est pas égal. Donc si en 4 parties qui n'est pas égal, 4 parties illégales, 4 parties qui est égal. Ça c'est 4 noirs, 4 parties égales, ça est 4 couches, 4 parties égales, ça est 4 double couches, 4 parties égales, ça c'est 4. Triple couche. Ok? Donc, 4 parties qui n'est pas égal, 4 parties inégales. D'abord, hein? l'homme blanche, le noir. Deux couches. L'homme blanche, le noir, deux couches. C'est 2, 1, demi. Oui, c'est ça, un gomme noir, une couche, deux couches, un noir, un demi, un quart,
un quart, un quart, un quart, un demi, by un, un deuxième, by deux. Ok? C'est ça. Il y en a un en quatre parties qui est égal. Ça veut dire là, en couche, en double couche, deux triples couches. Donc, couche. Une couche, une double couche, une triple couche. Égal à 1. Ça égale à 1 demi, 1 quart, 1 huitième, 1 huitième, 1 huitième, 1 huitième, 1 quart, 1 quart plus 1 quart, 1 demi, 1 demi plus 1 demi, ben 1. Ok? Donc, par l'air, on toujours respecté. On va aller là, 1 demi, on va aller là, c'est 1 quart. Yon double couche, yon triple couche, avec deux quadruple couche. Ok? Ça c'est yon double, ça c'est yon, yon triple, deux quadruple. Regardez là, ça c'est déjà un quart, un huitième. Donc, nous allons faire 5 parties. Hein? Nous allons faire 5 parties. On va faire 5 parties. On va faire 5 parties. Donc, on fait 5 parties. 5 parties, on blanche. Nous allons faire différentes 5 parties. Ok? Donc, on va faire 3 noirs de gauche, c'est 5 parties, c'est 5 têtes. Nous allons faire 2 jaunes, 1 blanche, 1 noir, 1 couche, 2 double couches. Ok? C'est parti. Ben deux, un demi, un quart, un plus deux plus deux, quatre. Donc, valeur ça veut dire que c'est musique, c'est purement mathématique. Musique, c'est purement mathématique. Donc, avec valeur des notes, valeur chaque figure, ok, établir chaque salon. Chaque fois nous changer autour, rythmique différent. Si ma rythme ça m'a fait ta 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 et ça passe ta 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 ta. Ok, si m'a dit ça c'est ta 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 ta. Ok, et ça passe ta ta ka ta ta pa ka pa ta ta. Ok, ouais, pa pa e ti ta ta. Ok, ouais, pa pa e ti ta. Ok, assez e prochain, c'est e double couche, c'est ti ta, double couche, c'est ti ta. Ok, cinq parties. On va essayer de faire ça en 5 parties tout. On va essayer de faire ça en 5 parties. Comme nous noir. Une couche. Une double couche. Une triple couche. Nous avons une couche. Et nous avons une couche. Une double couche, une triple couche. Un. Un demi. Un quart.
8e, encore. Ça va être demi, 1, 1 plus 1, 2. Ok. Chaque fois, il y a changé. Donc, il y a toujours changé. Vous battez. Ok. Donc, ça, si moi je fais ça, la bombe c'est une forme là, mais la bombe elle sera avec quoi de plus proche. Ok. Avec quoi de plus proche. 5 fois, avec quoi de plus proche. La bombe qui ça. Bombe proche. Le proche. Le double. Le triple. Du quadruple. En gauche, dans le dos, dans le triple, du quadruple. Ok? En 5 figures différentes, 5 têtes différentes. Vous pouvez avoir une différente 5 têtes, ok? Vous êtes capable de faire une différente forme. Mais ça n'a pas de même genre avec ça, ok? De manière graduelle, il n'y a pas de même. Avec proche, parce qu'il y a une valeur qui est petite avec double proche. Même capable de jeune et 5. Avec ça, capable de jeune 3 triple proche, 2 quadruple proche. Ça me capable de jeune 3 triple proche, 3 triple proche. Du quadruple proche, la balle est là. Un huitième, ça va être un quart, un quart plus un quart, ben un demi. Voilà, ça vérifie, c'est ça. Ça c'est demi, ça c'est un quart, ça c'est un huitième. Un septième, capable de toute valeur ça autour pour yon sur moi. Donc il y a différentes rythmiques nous capable de joindre pour figure ça. Ok. Donc pour valeur des notes, nous sommes capables toujours utiliser et les nouvelles mesures, six indicateurs de mesure. Donc ça vous parle utile en pile, là vous parlez des chiffrages. Du morceau, ou bien on va faire des chiffrages de partition. Ok? On va faire des chiffrages de mesures. Si on va faire des chiffrages de mesures, donc ça y est, le compte en pile, là on est. Ok? Et là on va surtout former comment rythmique yo exécuter, comment figure yo exécuter. Ok? Donc, la prêter là. Et très bientôt nous allons pour nous voir mesure, nous voir le silence, ok, nous voir le l'autre bagage toujours, ok. Donc nous prêter là pour bâtir ça, nous changer que nous sommes tout à l'heure à échelle musicale et nous voir une petite récapitulation sur les valeurs des notes, sur la valeur des notes, ok. Mais les valeurs des notes, ok. La côté là, à la prochaine. Pas oublier, abonner, liker, ok. On aime et si nous apprécier ça, qu'a fait là, c'est pour nous montrer ça, ok. Donc, c'est des mappes d'eau, c'est des milliers d'eau, c'est des mappes d'eau, ok. Donc, soit apprécier ça, qu'a fait là, c'est pour montrer ça. Donc, si vous apprenez ensemble avec nous, c'est pour montrer ça. C'est pour montrer ça. Ok, pas oublier, vous êtes capable de suivre nous comme étudiants actifs
capable de suivre nous comme capable supporter nos étudiants ou bien comme supporter de cours là tout. OK, comme un supporter actif tout d'abord et modalité yo. OK, ou capable enregistrer ou bien inscrit comme étudiant actif et pour qu'avoir des voix pour changer que des voix disponibles. Évaluation disponible, documents disponibles pour tout le monde qui voulait enregistrer comme étudiant actif. Donc à la prochaine pour une autre série de cours.